donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce 15e épisode du sang, de l'horreur, de la giclure, du postillon d'hémoglobine. Bref, de Darksiders. Donc on s'était quitté ici, juste devant là-dessus, pour assouvrir votre... Donc ça... Je sais plus à quoi ça sert. Alors, utilisation des chronosphères, voilà. Chronosphère ont le pouvoir de ralentir le temps. Utilisez la lampe bourrin pour atteindre les chronosphères distance. Ralentissez le temps pour atteindre et pour éviter le danger et atteindre une zone inaccessible. Ok. Moi je leur tire dessus. Quel autiste. Donc là ça va ouvrir la grande porte au fond. Qui va sûrement se refermer tout doucement. Ah bah. Oh. Hop. Je sais plus à quoi ça sert ça là-bas. Putain, ça m'énerve, je me souviens plus. Et on y va, on y croit. Hop là. Et là, ça va tous se réeffondrer juste là. Quit. Et voilà. Où qu'il est vilain là-bas, vous le voyez? Où qu'il est vilain? Ah si, je me souviens, je crois que c'est un truc. Le gros cercle moche. Wouah, 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 wouah. Moi, je t'aime pas, je t'aime pas. Tiens, barre-toi. Barre-toi, je te dis. Moi je t'aime pas. Le mec il pète littéralement le feu. Je vais balancer deux voitures à la gueule, il est mort. Pas mal. Trois. J'étais en train de dire un truc devant tes gens. Oui, donc le cercle qu'on voyait là-bas, que je me demandais ce que c'était, qu'on aperçoit toujours là-bas, là, dans le fond. Il me semble que plus tard, avec un pouvoir spécial, on peut se voyager de cercle en cercle. Si je dis pas de la merde, hein. Mais vu que j'en dis très souvent, bah, vous connaissez. Hey! Vous êtes des morts vivants! Et plutôt morts que vivants! Ok, bon. J'ai dû. Là, voilà. Raté! Hop! Raté! Ninja! Tout en douceur. Tu sais, c'est truc fourbe quoi, on va te mettre un item juste derrière toi. C'est dans le jeu Limbo, il me semble. Sorti il y a un paquet de temps aussi. Sur Xbox, puis maintenant qui est sur tous les supports. Je vous conseille de le faire sur PC. Je dis ça. Faites-le sur ce que vous voulez. Hein. Qu'il est vilain. Je peux te trucider quand même. Oui, donc dans Limbo, qui est un jeu. En fait, techniquement, ça pourrait être un survival horror, puisqu'on est un petit garçon qui se réveille au milieu d'une forêt un peu bizarre. Tiens. Le jeu est entièrement en noir et blanc, avec des effets de lumière très sympathiques. C'est un peu glauque, mais vu que c'est en noir et blanc, ça passe, je trouve. Et du coup, on doit aller chercher sa petite sœur qui est retenue quelque part. Blah! Ouais. Et en fait, il y a un succès qui se débloque quand on commence le jeu. En fait, j'ai dit un survival horror, mais c'est plus comme de la plateforme. Hey, vous êtes des anges noirs. C'est comme un jeu de plateforme. Mais en fait, si on part dans la mauvaise direction, donc le jeu te dit, t'incite à aller à droite, et si tu pars à gauche, tu débloques un succès qui est genre ah bah ça commence bien ou un truc comme ça. Et alors, t'as plus d'ailes? Eh bah t'as plus de bite non plus. Toi aussi. Waouh. Eh hey, il fait mal. Eh hey, toi aussi tu fais mal.
Hop là. Eh hey. J'ai horreur quand ça fait ça. Quand il te propose de l'achever et que du coup, tu vas pour l'achever, en fait, tu l'achèves pas. Alors, je sais pas si c'est vraiment les ennemis qui... Voilà, vous avez vu, hein. Proposer de l'achever. Si c'est vraiment les ennemis qui me font plus mal... Si c'est... C'est à quoi? Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. Mais là-bas, il y a un artefact. Je me souviens plus... Enfin, je n'ai pas le souvenir d'un truc comme ça. Donc, un petit éclat de vie. Ouais. Ça doit être un truc qui se contrôle avec le temps, je dirais. Ce qui me paraîtrait plus logique. Ah. Ah, putain, il y a des coffres partout ici. Ce sera l'épisode du coffre. Quand je renommerai l'épisode, je... comme ça, parce que j'ai oublié, je pense. Le cercle de Vulgrim, il... Alors un peu loin, hein. On va tenter. Ça va. C'est pile poil calculé, ils ont fait ça propre, les développeurs. Cercle de Vulgrim. Et on se casse. En quoi, petit Ella? Et je croyais qu'on pouvait pas revenir, mais si. J'avais pas vu la... Comment ils appellent ça? Un nom dégueulasse. Hein. Gregre? Qui a fait Gregre ici? C'est moi qui fais Gregre. Salut, t'es pas beau. Hey! Hey! Quoi, je peux... Ouais, ouais, je préfère, ouais. Toi, tu veux pas, par contre. Si? Bah, faudrait savoir. Bah, c'est fou, ça. Trop obligé de... d'attaquer des ennemis, quoi. C'est quoi, cette texture approximative? C'est, on dirait du... C'est du sable, mais on dirait de la neige. C'est... Je suis le seul à qui ça fait cet effet-là. Ouais, t'es beau, t'es le seul. Parce que t'es con. Ah ouais, non mais il est vilain. Je crois que je peux le squeezer d'ici. Wow. Wow. Allez, allez. Putain, mais il... qu'est-ce qu'il fait? Il attaque pas? Ah, c'est celui qui se fait tant de fois, j'avais dit. Putain! Je t'ai écorné, Jaco. Ah ouais! Putain, il prévient pas quand il attaque, hein, salaud. Et hop, on lui remonte dessus. Eh, les petits zombies. On est mort? Fallait pas s'approcher, hein. Oh, la caméra. Ce jeu a un problème avec les caméras. Enfin, moi et ce jeu ont un problème avec les caméras. Enfin bref. Papadapa. La musique, je croyais qu'il y avait un truc derrière. C'est fou, hein. Petit truc comme ça, là. Ok. Tu peux me laisser ça, s'il te plaît? Ouais, je préfère, ouais. Donc, les amis. Donc, en fait, je suis juste un putain d'autiste. Hein. Il suffit de faire ça. En fait, j'avais peur qu'il me bouffe. Du coup, je... Je faisais pas grand-chose. Donc, je vais faire ça. Tout doucement. Et voilà. Voilà, voilà. J'ai cherché pendant 2 heures, non je déconne. Carnage, guerre est plein de haine et génère plus vite du chaos. Ouais, ça doit être une amélioration. Je crois. Tiens d'ailleurs, toi.
Je vais te mettre là. Ça va pas marcher. on a dit que ça fait plus de chaos. Toi, tu as quoi? Tu as ça, c'est quoi? Augmente l'expérience des armes gagnées au combat, ok. Et ça... On va... Ah, ben voilà, on va te mettre là. Ça me paraît honnête. Allez, ce cassoulet. Du coup... Ninja! C'est stylé quand même, ce... Alors... Voilà! Ça, on lui pète la gueule. Là, on tombe. À votre avis, on fait une escale ici. Et après, on y va. That's a good point. A good point. Good. Ouais, c'était bien quoi. Ok. Le tunnel ne veut. Bon, on va pas trop s'approcher du bord cette fois. Est-ce que. Bah en fait si je fais ça, il va se calmer, mais il va ressortir tout de suite. En fait je n'ai aucune idée. D'abord aller là-bas, on verra. Espérons qu'il faille que j'aille là-bas. Espérons qu'il faille que... En espérant qu'il faille... Qu'il faut... Bref, si je vais là-bas c'est pas mal. Voilà, j'en étais sûr. Et en plus, il me jette dans le vide. Ok. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Qu'on va recommencer. Voilà. Il suffit juste d'y aller comme un gros bourrin. Ça décrit bien ce jeu, hein. Décrivez Darksiders en deux mots. Il suffit juste d'y aller comme un gros bourrin. Et ça passera. Ouais, il me fait le saut automatique, ça me plaît ça. Putain, sérieusement, ils sont obligés de te faire ça. Alors que quoi, ils auraient laissé le tunnel en entier, ça les faisait moins chier, ça me faisait moins chier. Tout le monde y trouvait son compte, quoi. Oh, mais je te jure. Du coup, je pense que je couperai un demi-milliard de choses, hein. Pour pas que vous succombiez dans l'ennui. Parce que les phases où je cherche, c'est pas drôle. Eh oui, c'est pas la bonne arme. Y'a quoi ici? Ah ah! Ouais, elle... Oh, on en a trouvé 3 en 2 épisodes. C'est pas mal. Il m'en manque 2, ça m'en fera un nouveau. Moi, ça me plaît ce genre de choses. Hein. Honnêtement, ça m'arriverait plus souvent, je serais pas contre. Je l'aime bien cette attaque. Elle fait des dégâts aussi. Ah, cercle de Vulgrim en plus, c'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? C'est parfait. Allez, bisous Vulgrim. Salutations. Ouais, c'est ça, ouais, salut, ouais. Le pays des cendres.
Ah pute vierge. C'est ça qui me pompait la figue. Il me semble. Donc je vous laisse deviner. Je vais là-dessus, je me fais bouffer. Voilà, voilà. Ouais. Après je dis ça. Voilà. Comme mes bouffées, mes bouffées tuées, quoi. Je voulais tenter, hein, du coup, je vais... Ah, il me faut bien ça. Non, reviens! Reviens, Palo! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il te l'avait mis, hein, mais toi tu veux pas appuyer dessus parce que t'es trop belle. Oui. C'est le truc qui dure le temps qu'il faut. Samael avait raison sur ses vers. Et le Stygian est censé être le méchant. Ah, et vous vous souvenez de la tronche de celui qui vient de me gober? Eh ben, on n'est pas dans la merde. Comme dirait Muriel Robin. Je me demande ce que ça... Tiens, si j'y pense, je mets la musique d'Astérix par-dessus ce passage-là. Juste pour le lol. Wow! Genre les mecs, ils étaient en train de dormir et d'un coup ils arrivent, ils m'enchaînent. Et allez... Là! Là! T'as plus d'aile! T'as plus de gueule non plus! J'adore cette attaque. J'adore ce jeu en général, mais cette attaque particulièrement bien. J'aurais espéré aller jusqu'à l'entrée de ce que je pourrais qualifier du donjon. Oh putain, ça y est, électrocute. Ouah, papa, papa. Ça va pas me plaire, j'aime pas les trucs qui électrocutent. Parce que moi je bourrine. Vous savez, je suis un homme très distingué. Ah papa papa papa. Ah papa papa, le gros vert. Et le truc qui est tout là-bas. Donc je pense que c'est sur cette jolie petite énigme qu'on va se laisser. Puisqu'elle va être longue et chiante. Comme ta planète. Et qu'on se dit à la prochaine. Hein, on doit être bon niveau chrono, je pense. Allez, salut tout le monde!